Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il a été assez bien résumé le fait que le schéma national des infrastructures a fait un catalogue fourre-tout, un inventaire à la Prévert de tous les grands projets d'infrastructure, et qu'aujourd'hui on se retrouve avec plus de 100 ans d'investissement d'État et des sociétés d'autoroutes, et que donc on ne fera pas tout. Il y a une commission, laissons-la travailler, elle est composée aussi bien de parlementaires que d'experts. Je crois que nous pouvons tous le dire, que la première priorité sans doute pour l'Ouest Rhône-Alpes, c'est sans doute la décongestion du nœud ferroviaire lyonnais. Et je regrette qu'il n'y ait pas de vœux sur ce sujet-là, parce que finalement, ça nous permettrait de faire rouler plus de TER dans de meilleures conditions, faire passer les marchandises en dehors de la ville. Et on a en fait uniquement un vœu sur la 45. Alors je voudrais rappeler que depuis 3 mois a commencé à Lyon, à l'initiative du Grand Lyon, le débat sur l'anneau des sciences, qui en gros c'est une redénomination du tronçon ouest du périphérique, mais tronçon ouest du périphérique c'était sans doute quelque peu moins vendeur. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des salles combles de Lyonnais et de Rhodaniens. On a dit tout à l'heure, j'ai entendu des gens dire que les Rhodaniens attendaient cette autoroute comme d'autres attendent le Messie ou autre. Les salles combles, elles disent quoi? Elles disent: pour le contournement de Lyon en termes d'autoroute, attendons. Attendons parce qu'il y a des enjeux importants du réchauffement climatique, des enjeux importants de la pollution de l'air à Lyon, comme d'ailleurs dans tout Rhône-Alpes, des enjeux importants du bruit. Il y a des gens qui disent développons plutôt le transport en commun, et des gens qui disent cela ne nous empêchera pas, si nous ne faisons pas cette nouvelle autoroute, de déclasser une partie de la 7 en faisant un boulevard urbain. Dernière pièce versée au débat, des scientifiques, des spécialistes des transports qui viennent nous dire, contrairement à ce qui a été dit par plusieurs personnes ici, en aucun cas une infrastructure fait du développement productif ou du développement intensif de l'économie. En fait, elle n'est qu'un élément, et globalement, on doit chercher le développement ailleurs. Alors moi, j'aurais préféré, et je vais clore mon propos là-dessus, mais j'aurais préféré qu'on se pose des questions sur comment, par exemple, les futures métropoles européennes ou l'actuel pôle métropolitain va travailler à une meilleure localisation de l'emploi, à une meilleure répartition de l'emploi entre Saint-Étienne et Lyon, et notamment dans la vallée du Gier. J'aurais préféré qu'on dise que globalement, aujourd'hui, la 47, eh bien, il n'y a quasiment plus de bouchons. Et les bouchons, ils sont à l'entrée de Lyon, parce qu'on a un problème de circulation dans Lyon, et que faire une A45 pose des problèmes à Lyon. J'aurais aimé qu'on dise, et c'est dommage, ça n'a pas été dit, que quand même, depuis 10 ans que la région Rhône-Alpes investit sur l'amélioration du train Firminy-Saint-Étienne-Lyon, on a un doublement de la fréquentation de ce train. Globalement, ça marche. Alors maintenant, ce qu'il faut qu'on travaille, c'est la re-répartition des emplois entre nos deux villes, qui sont des éléments majeurs de Rhône-Alpes, parce que les gens n'ont pas forcément tous les jours envie d'aller faire une heure aller, une heure retour pour aller travailler, et que des gens qui travailleraient au plus proche de chez eux, ce sont des gens qui se sentent mieux, des travailleurs qui, à la limite, qui travaillent mieux et qui ont plus de productivité. Travaillons la relocalisation de l'emploi sur Saint-Étienne, on a la possibilité avec le quartier de Château-Creux, travaillons la relocalisation de l'emploi dans le Gier, il y a des propositions des 4 conseils locaux de développement du pôle métropolitain. La solution est beaucoup plus de ce côté-là. Merci, Monsieur Faurobert.